Bonjour à tous et bienvenue dans Café Presse. Aujourd'hui, la presse explore l'envers du décor de la culture et de ses légendes. Et on commence tout de suite avec un film d'animation, Calamity Jane, une enfance de Martha Jane Canary, sorti en salle hier et qui fait l'unanimité. Du Figaro aux Inrocks, en passant par Télérama, la presse s'enthousiasme pour ce film signé Rémi Chaillet, qui fantasme l'enfance de l'héroïne de légende, dont finalement on ne sait que peu de choses. J'avais vu un documentaire sur Arte où ils expliquaient que Martha Jane était partie à 10 ans faire la route de l'Oregon avec ses parents. Mon esprit s'est alors emballé, confie le réalisateur à Libération. De là, il a inventé à son personnage toute une enfance marquée par l'accident d'un père qu'il faudra remplacer dans ses activités d'homme. Au-delà de l'immense beauté de l'image, le film séduit également par cette réflexion sur le genre. Télérama, qui aime passionnément, parle d'une splendeur esthétique mise au service d'un petit bout de femme qui brouille les contours du féminin et du masculin. Parce que la liberté, quelle que soit l'époque, garde des couleurs fauves. Les Inrocks saluent un imaginaire western, dense et vivant, enrobé dans une palette raisonnablement fauviste, dans lequel le féminisme n'est pas une donnée morale et abstraite, mais une idée très organique et charnelle, motivée par l'appétit de vivre. Une critique qui, elle, a le mérite de nous mettre en appétit. On continue avec un autre rebelle qui, lui, est parti dans les années 70 à la conquête de l'Hexagone. Le chanteur Renaud s'expose à partir de demain à la Philharmonie de Paris dans une putain d'expo. Vous me pardonnerez la grossièreté, mais c'est le titre de cette rétrospective en hommage, évidemment, à sa chanson « Putain de camion ». Ironie de l'histoire, c'est le Figaro, quotidien de droite, bien loin des affinités politiques du chanteur, qui consacre une double page à l'événement. Dans les colonnes du quotidien, David Séchant, le frère jumeau du chanteur, à l'initiative de cette grande exposition, raconte qu'au début, Renaud ne voulait pas en entendre parler. Il a fallu le convaincre. Il nous le disait « je ne suis pas mort ». Puis il s'est pris au jeu, a ouvert ses archives et maintenant il brûle de venir. Et pourtant, Renaud semble bien y avoir toute sa place au musée. Selon Marie-Pauline Martin, la directrice de la Philharmonie, l'analyse de son langage est passionnante. Et pour preuve, Johanna Copan, qui partage avec le frère de Renaud le commissariat de l'exposition, lui a carrément consacré le sujet de sa thèse. Le verlan, les gros mots, Renaud les a popularisés. Il a, je cite, « inventé une langue pleine d'humour, très visuelle et pleine de petites allusions. Pour moi, c'est sa marque de fabrique, c'est un chanteur populaire qui a inventé une langue. » Si le Figaro parle de cette exposition comme de l'autopsie d'un rebelle consensuel, cette rétrospective prouve au contraire que son œuvre, par la modernité de sa langue, est toujours bien vivante dans le cœur des Français. Et si le travail sur la langue vous intéresse, les Inrocks de la semaine vous conseillent Bookmakers, un podcast signé Richard Guettet qui propose à ses auditeurs de découvrir les secrets de fabrication d'un roman. Tour à tour, Delphine de Vigan, Philippe Jenada ou Ali Zenitzer se sont confiés au micro du journaliste. Le résultat est passionnant et fait partie des 20 podcasts indispensables selon les Inrocks. L'hebdomadaire consacre sa une et un dossier spécial à ce qu'il considère comme un phénomène culturel où, loin des carcans imposé par l'image, le son s'érige ici en média de la révolte, à la fois pédagogique, intime et politique. À côté de son guide, les Inrocks donnent la parole à Victoire Tuéillon et Charlotte Pedlowski, les deux voix féminines et féministes des podcasts les plus écoutés de France. Pour Victoire Tuéillon, ce qui fait la singularité du podcast aujourd'hui, je cite, c'est que son explosion est corrélée à la prise de parole accrue des femmes dans l'espace public. Ce format permet de faire entendre des voix qui n'ont pas été entendues. À leur manière, ces deux pionnières sont un peu les Calamity Jane d'un nouveau genre et leur conquête ne fait que commencer. Bonne journée à tous et à demain.